Ingénieur Moreno, frère, comment est-ce que vous avez un peu nous? Comment est-ce papa? Moi, je suis à tête nous en forme. Encore une fois, je connais que c'est un plaisir pour que nous sommes passés dans ces grosses activités. Et que nous profitons tout pour que nous saluions tous les fidèles branchés qui branchent ni en Haïti ni à l'étranger dans leur part. Merci, frère. On allait rapidement. Je dis à la, avant de parler, mais t'as semblé qu'on t'y modification sous bagayo. Parce que moi, j'ai un note qui sorti là, USCIS. T'as semblé qu'on s'est eu de monde qui t'es pensé, y'a couru, fait presser, target système non. Y'a eu les rempli plusieurs fois pour seul monde. Est-ce que y'a une conséquence? Qui ça va à l'an? Y'a fondi bala avec nous? Bien sûr, Tété. D'ailleurs, USCIS a été fait clair dès le départ que les pas recommandé pour un monde rempli pour un monde deux fois sans que vous pas un premier résultat. Ça arrive par exemple ou t'es rempli pour monde déjà il y a un erreur qui fait dans l'application hein. Il y a un résultat négatif pour ou qu'a toujours retourner rempli pour monde ça et nous gagne monde ça arrivé déjà bien des monde par exemple. Nous gagne monde par exemple qui t'es rempli en première fois si je m'abuse pas, c'était le 6 janvier, il rejeté le 7 janvier. Les remplis le 7 janvier, si je m'abuse pas, rejeté le 9 janvier. Et puis le 14 janvier, nous remplis le check-in web, toute information correcte. Malheureusement, c'est mal culté, mal rempli. Nous remplis le poli. 14 avril, là, les autres écrits nous, dit nous merci, félicitons, nous avons approuvé mon lien. Ça veut dire que, il n'y a aucun problème que vous remplis pour le monde, que, vous avez rempli pour lui déjà, malheureusement, qui joue un résultat qui est négatif. Now, principal problème, là, c'est le fait que, il y a un groupe de monde qui fait comprendre que, attendez, si vous êtes rempli pour janvier, ou bien vous êtes rempli pour telle date, ou pas quoi, j'aimerais pour nous, d'autres choses, la passer en bas, ou rempli pour d'autres choses, la passer en l'air. C'est comme si l'on arrive dans la ligne DGI, et que mon n'était campé pour elle prendre ses outils, et puis au moment où elle groupe, là, elle cherche son côté pour l'entrer dans la ligne de plus devant. Parce que l'Haïti se comprend toujours intelligent. Ça veut dire que, l'été rempli déjà, ça arrive que l'été rempli en janvier, il doit avoir un monde qui est rempli, je dis à qui c'est mars. Il a approuvé mon même côté, ou bien approuvé mon après une semaine. Pour ça, il a tout profité lui-même à le remplir sous prétexte que ça va inciter que il a approuvé automatiquement. Il a été découragé par tout ça. Pour qui ça c'était? C'est parce que, par contre, vous remarquez ça bien. Par exemple, ou même qui sont immigrants ici aux États-Unis, vous remarquez que quand le président souvent, il y a un numéro là-dedans qui soit marqué Alien Number, ou bien qui est marqué A Number, ou bien qui est marqué USCIS Number. Si je ne m'abuse pas, c'est un numéro de 9 chiffres. Numéro ça, jusqu'à ce que mon avis américain ici, l'IPRAL, dans certificat, naturalisation, mon donc, chaque monde qui vient aux États-Unis, il vient avec un Alien Number. Alien Number, ça, l'a suivi, mon ça, pour quel que soit l'autre bénéfice migratoire que mon ça t'avait joué. Par exemple, si mon ça t'avait joué un monde qui va aller résidence, si mon ça t'avait naturalisé, l'a toujours gagné même Alien Number, ça. Now, l'autre, même mon nom, ou rempli pour lui deux fois, sans que l'IPRAL ait un premier dossier qui close, ou vin créer un taux uboï dans le système là. Ou ka vin la cause que ou approuvé moun sa deux fois, et le ou approuvé moun sa deux fois, ou vin la cause que même si vous sa, li gen deux alien number. Parce que faut remarquer bien, le appliqué pour moun deux fois, et que USCIS comprend que deuxième moun nan, c'est premier moun nan, le prend décision sur deuxième cas, li automatiquement fermé premier cas, et le premier cas, c'est un cas qui administratif les clauses. Ça veut dire que c'est très très mauvaise pratique liée pour remplir pour un monde qui gagne un monde qui remplit pour lui déjà et que vous juste faire un objectif pour accélérer le processus là. Il va essayer de faire clair, non seulement en aucun cas, il ne peut pas accélérer le processus là, mais deuxièmement tout, au lieu d'accélérer le processus là, vous courez risque pour que il fasse le processus là pour plus ça. Wow! Bah, il y a un petit crasse mélangé, ça veut dire que moun ki te pense, parce que gen pile zanmi te dim sa, ki dim o tete pour ça, si tel moun applique, il prend temps pour qu'il soit pas réappliqué, vous li encore, etc. Alors que, bah, elle a toujours montré li pendant dans le système nan, qui donc gen suivi kap fait. Donc ça, li complètement déconseillé, et m'pense que gen moun ki capable en difficulté pour ça. L'autre bagay, gen pile moun kap dit que t'as l'air moi font ti poste, mais bah, ça gen doit faire compte. Ligue doit faire compte parce que t'as l'air. Bah, ça devait être Luxon Zéville la gauche, oui. Oh, Luxon, Luxon mon capon, les gars dans Bay Vague lui-même. Mais si Luxon prend frappe, mon bras, monsieur Bay Vague longtemps, vous comprenez, un clash comme ça, monsieur. Oui, et où dit que gen moun qui prend prétexte pour yon pas appliquer pour moun, c'est parce que yon poko fil taxe. Où dit ça, il pas vérité? Li pas kake bien encore, premièrement.
depuis hier, qui était 18 avril, la saison n'a pas fini. Ça veut dire que il y a un monde qui dit le pot pour remplir. Ça va veut dire que ça va veut dire que pas gain monde qui peut pas remplir ta chevre. Bien entendu, ça arrive que aujourd'hui un monde qui peut pas remplir ta chevre vraiment. Surtout par exemple, si c'est monde qui va louer ARS, monde qui a toujours appliqué pour extension etc. Ça arrive. Cependant, là encore, il n'y a pas qu'à comme argument. Parce que premièrement, depuis hier, majorité monde dit remplir ta chevre déjà parce que hier, c'est le dernier délai que USCIS se baille pour remplir ta chevre. Deuxièmement, USCIS, c'est clair. Transcript là, ce n'est pas unique document que vous êtes capable d'utiliser pour remplir pour un monde. Vous êtes capable d'utiliser un domaine YouTube pour remplir pour un monde, même PayStop que vous avez dans ce travail là, vous êtes capable de faire utilisation de lit pour remplir pour un monde. Donc, moi je dis ça surtout, c'est par le simple fait que moi je viens de des mondes par exemple qui fait 15 jours, 22 jours, yo dit que gon monde ka rempli pour yo, yo qui t'en vient aller à tout dos, c'est ou ma faire rempli pour moi, et puis qui ça mon abayo comme argument. Mon abaye comme argument que c'est taxe qui pour remplir. Donc le jour de baye ça arrivé sous moi comme ça, Lyon si j'en fais mal. On pas qu'à dire mon nan li de manière individuelle pour me dire cherche pour l'autre monde parce que au plus stable au monde que il y a boité, mais on dit le public pour que yon monde qui tend des gens message ça pour qu'a connait publiquement que c'est volonté que mon n'a pas gagné pour le remplir pour lui. Parce que en aucun cas remplir taxe pas yon nan requirement que yon mandé, pas yon nan obligation que USCIS fait. Foula y a fait. Et foula y a fait. Pas yon obligation. Ça veut dire, même d'abord du tout que yon gen a men ou la, PayStop que yon paye dans ce travail là, les travail là, ou kap fait utilisation de li, et m'a dit formellement que moi-même personnellement, moi fait utilisation de li déjà, et moun yon approuvé, il n'y a aucun problème, et c'est quelque chose qui trouve il sur page USCIS. Donc, si yon moun de que c'est taxe que li pas encore rempli, qui fait le pas rempli pour, on sait que le bagage intention rempli pour. Oh, pas de problème. Eh ben, pour me quitter, il y a espoir, ça veut dire que il y a janvier, février, capitaine, toujours, il y a espoir toujours. Mais bien sûr que oui. Au contraire, moi, il y a un associé moi qui tire le USCIS à l'heure, qui tire le USCIS à l'heure, pour un client nous qui attend depuis un janvier, qui n'a pas encore de résultat. Et puis, Damien a expliqué que est-ce qu'on connaît que il y a et bien monde Venezuela parce qu'on connaît que pratiquement c'est 4 pays dans Amérique là qui fait partie de programme ça Haïti Venezuela Cuba avec Nicaragua agent USCIS a expliqué que bien monde Venezuela qui remplit formule depuis en octobre qui jusqu'à présent attend le résultat qui pas encore le résultat donc c'est juste pour dire que remplir un dossier USCIS c'est pas juste une roche pour tirer dans de l'eau et que pas gagner aucun espoir que vous allez retrouver encore non. Lorsque remplit un dossier avec USCIS, automatiquement, vous remplit un dossier. Même un message que vous voyez par USCIS, ça va arriver que vous répondez après 10 ans. Mais c'est certain que vous avez une réponse quand même. Pour qui ça? Parce que lorsque remplit un dossier avec USCIS, il y a un ticket qui automatiquement créé dans le système. Et dans le genre d'entreprise, chaque groupe employé a un superviseur ou bien un manager qui travaille ensemble avec lui. Et le manager lui-même, il y a pour que lui reporte son travail. Donc, les managers là, il y a un ensemble de tickets qui étaient ouverts devant lui. Il y a l'autre monde qui sous tête lui, cap target lui pour que ticket ça yo même yo fermé. Donc chaque fois où soumet un dossier dans le système USCIS, chaque fois où écrit USCIS, il automatiquement généré un ticket dans le système là et moun sa ou pas dormi pas avant de répondre ticket ça. Et donc souvent cas que c'est rempli, meilleure solution hein, c'est tout simplement répéter se joindre résultat dans cas. Parce que chaque fois où relé USCIS, chaque fois où écrit USCIS pour essayer mandé comment ça y est, c'est plus retarder qu'on retarder. Parce que l'on écrit mon yo mandé comment ça y est. Ok, on t'a supposé que ou bon fond bagay pour. Et puis, après ça, un message qui monte, qui dit, bon, non, mais à propos de tel bagay que m'te bon fait pour moi, ou d'accord, ça m'avait m'obligé de camper dans ça m'ta fait pour moi, pour m'a regarder le message que vous voyez ben moi, pour moi, si c'est pas une nouvelle instruction que vous voyez ben moi, pour m'appliquer dans le dossier là. Par exemple, un dion monde qui se met son dossier, et que le dossier a gagné erreur dans le numéro de passeport, ou bien il y a erreur dans la date de sortie, par exemple. On t'a dit que USCIS t'a sur le point pour que il y approuve le dossier ça. Et puis, ouvre un message, par exemple, un message que vous voyez, c'est un message que vous voyez dans simple objectif pour USCIS, quand tel que ça pour. Sauf que vous avez fermé, il y a fermé. Par exemple, il dit que le message que vous voyez, c'est un message que vous voyez pour que vous update un erreur pour le dossier. Donc, ou automatiquement, créer un retard qui n'est pas nécessaire. Donc, puis, bonne solution, hein, c'est rétablir jusqu'à ce que y ait un résultat qui domine dans le dossier pour là. Correct. Avant aller net. Parce qu'on est bail ça, il y a tellement de petits problèmes. Il y a des petits problèmes. On imagine que pendant un temps là, par exemple,
Et puis pendant t'as rempli forme non, t'es gon erreur qui t'est glissé, par exemple soit dans date de naissance moun nan, ou bien soit dans adresse ou bien email ou bien nom moun nan, t'es gon ti fly qui on est qui pat là. Et puis dossier ça, est-ce que yo a automatiquement annulé ou bien gen moyen pour yo informer ou pour corriger? Non, il y a pas automatiquement annulé li parce que pour la simple bonne raison que USCIS pas connaît que sous fait erreur dans nos monde. D'ailleurs, ou carré les monde Marie-Jacques, mon nom est Marie-Jeanne, mais la gagne dire que c'est Marie-Jacques mon carré et pas gain aucun moyen, pas gain aucune ressource que USCIS disposait pour que li connaît est-ce que non monde ça correct ou pas. Alors, j'aime toujours dire mon yo gain deux erreurs seulement qu'a fait dans information bénéficiaire là qui vraiment qu'a faut prendre pile temps. C'est erreur qu'on fait dans email là avec erreur qu'on fait dans numéro passeport là. Mais si c'est erreur qu'on fait dans date naissance bénéficiaire là, si c'est erreur qu'on fait par exemple dans non bénéficiaire là, c'est quelque chose de très simple. Automatiquement que au fin confirmer sponsor là, le bénéficiaire là arrivé dans compte lui, bien au côté que USCIS va demander pour que lui confirmer information personnelle pour assurer que toute information ça est correct. Si gon erreur dans nom mon n'a corriger erreur là. Si gon erreur dans signature mon n'a ka corriger. Si gon erreur dans date naissance mon n'a li ka corriger erreur qui gagne dans date naissance là sans aucun problème. Et avant tout, la question correction hein, gon problème que moi qui rive mon yo très souvent que moi voulais ajouter pour mon yo publiquement. Gagne des monde qui gagne plusieurs noms en Haïti. Par exemple, on a gagne reler Moreno et Jacques et puis signature c'est Pierre. Ça veut dire que moi gagne deux prénoms ou bien moi gagne yon prénom avec yon sa nou rele middle name ici aux États-Unis. On y a qui ça passé? Le a rempli pour moun sa, ça arrive moun ka rempli pour oua, étant donné que Haïti pa gen système middle name, li mette Moreno Jacques là pour tous les deux prénoms. Ça arrive que moun ka rempli pour oua, li mette Moreno nan prénom, li mette Jacques nan middle name. Ouais. Exactement. On y a qui ça passé? Le a fin approuvé ou même bénéficiaire là, le pral fait ce processus là. Lorsque vous côté, vous pour qu'on vérifie information personnelle ou yo, ou pas pour Moreno Jacques, ou après seulement Moreno, parce que, lui seulement montre au first name, non, lui pas montre au middle name, non. Mais middle name, non, là. Now, soit tenté, corriger pour mettre Moreno Jacques, ou à saisir, ou les documents voyage la sortie, lui sorti Moreno Jacques deux fois, lui sorti Moreno Jacques, Jacques Pierre. Pour la simple bonne raison que, c'était seulement first name, là, au display, il pas montré au middle name, non. Donc, soit tenter ajouter l'encore, il y a un risque pour que non sorti, pour que ça nous les minodèmes dans sorti deux fois. Et là encore, ça va poser difficulté pour traverser un pote là. Et ça va même arriver que son autre application soit besoin de remplir. Donc, rassurez-vous, sous ce qui est deux noms, avant même que vous remettez deuxième nom hein, encore, rassurez-vous ensemble avec sponsor pour garantir que n'est pas cité pour déjà. OK. Ça veut dire que bénéficiaire là doit un contact serré avec sponsor a, ou bien moun qui remplit pour lui pour connait exactement qui ça donné oui. Bien sûr, bien sûr. Livre un contact serré et surtout tout dans tout parce que forme pour profiter à ajouter ou connaît. Et un grand petit plein qui vient joindre moi ou connaît des monde qui remplit pour moun yo et puis qui ça va faire, il met email pa yo. Au lieu mettre email bénéficiaire là pour message la vie, je viens de bénéficier là, vous comprenez? Et puis, qui email vous mettez, c'est propre email pas yo que vous mettez, le constat. Le, en tant que par exemple, le dragon Belsis, il y en a Haïti là, il a besoin, il était 15 yeux sous lui, et puis, l'idée en a pris, l'idée monté vite sous lui, et puis, ça le fait, il remplit pour vous, et puis, il mettez propre email pas, lui-même qui sponsor, il mettez propre email pas, comme étant bénéficiaire, et puis, le pour de la vie, c'est le vin Johnny qu'on y a. Qu'on y a voir vite chercher. La vie Johnny qu'on y a n'a pas passé dans négociation. Vous comprenez? Ouais, par expérience. Et par expérience, vous allez là. Il y a plusieurs monde qui reporte me dossier ça, plusieurs monde arrivé déjà. Vous avez des causes. Bah, yeah. Yeah. Eh ben merci oui ingénieur. Mon ami qui dit que est-ce que si on monde par exemple, tu es sous résidence, est-ce que ça qu'arriver le bénéficier dans programme ça? Ben bien sûr, il n'y a aucun problème. Au contraire, les gens qui sont résidentiels, c'est une bonne opportunité pour eux. Parce que, parmi eux, que, à cause de questions coronavirus ajoutées sur l'insécurité qui gagne en Haïti, nous avons saisi l'ambassade a fonctionné à quantité réduite. Ça qui vient de rendre que, par exemple, il y a des gens que dossier arrivé dans Visa Center il y a 3 ans de cela, qui jusqu'à présent, pour qu'on ait un rendez-vous ambassade. J'aime pas mentir. Mais programme, ça l'aide. Il y a plusieurs gens qui ont relé tout parce qu'ils ont perdu l'argent. Ils ont perdu quoi? Ils ont relé en pile. Il y a plusieurs résidences.
y a bien sûr, il y a un peu de monde résident dans ce moment ça yo. Et mais qui s'est passé? Si vous c'est un monde qui comme ça qui gagne d'autres qui dans visa center ça fait longtemps, qui pas encore jamais tajou un résultat, au contraire, si vous sous programme ça, c'est meilleure occasion pour venir et puis leur arriver ici pour faire ça nous relé en changement de statut. Donc leur sont pas besoin de retourner en Haïti encore. Interview à, ou pas juste passer interview à la KUSIAS, il y a interview bien entendu. Mm-hmm. Et puis, ou pas même besoin de retourner à Haïti encore, ou pas juste faire un relais, un changement de statut. Il y a rempli une forme I-425 pour et puis la paix. La paix. Merci, ingénieur, c'est ton plaisir. Ou qu'a toujours lagué numéro encore, même si vous moulez la bambaye ou baba. Moulez la bambaye. Problème, oui. Allez, mon cher, pas de problème. Numéro A, c'est 656-204-3262. Sur 656-204-3262. Si vous voulez nous page nous, c'est merci. Certain que c'est l'autre qu'on a servi. Mm-hmm. Principal chose pour nous, pas critiquer nous. Merci. Bien, bien là, frère. Bon bagage. Pas de problème, mon frère, c'est un plaisir. Mm-hmm.